Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite de notre Let's Play sur Banished, épisode 2. Nous sommes à l'année 3 sur Big Forks. Il y a 19 adultes, pas d'étudiants évidemment, j'ai pas encore construit d'école, et puis 7 enfants. Donc le jeu est en pause, je vais le mettre gentiment là en vitesse la plus lente, que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a 6 maisons, un petit tailleur, une grange, un dépôt de ressources, le bûcheron. Et puis là, le forestier qui entretient la forêt avec des cueilleurs pour la bouffe. Et puis une cabane de chasseurs. Voilà, c'est à peu près ce à quoi ça se résume. Puis là, j'ai fait deux petits champs avec du sorgho. Au niveau des ressources, je suis pas trop mal. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. J'ai pas encore d'herboriste pour les herbes médicinales. Et puis, pas grand chose. Il faudra que je commence gentiment à envisager où est-ce que je vais construire une mine. Là, j'ai une montagne là-bas, je peux aller jusque là-bas, mais c'est un peu loin, j'ai rien de plus proche. Non, pas vraiment, hein. Ouais. Donc, on va essayer de se développer un petit peu dans le coin. Je vais peut-être faire des champs là-bas, puis on va raser un peu les pour avoir des ressources. Je vais commencer par construire une route. Voilà. Hop. Et hop. Alors je vais peut-être pas trop faire dans le coin là, plutôt par ici, histoire de pas trop bousiller la forêt là où je récolte de la nourriture. Là ça me fera de la pierre, pas mal de choses. Dans l'idée que je fasse un peu, je me développe de manière intermédiaire dans ce coin là, pour avoir accès au fer un peu plus loin, bien que j'en aie ici dans le coin, mais ça sera pas suffisant ce que je vais pouvoir récolter dans la nature. Ah, ça m'embête de pas avoir quelque chose de plus proche au niveau ressources de fer. Bon, là j'ai pas besoin de construire plus de maisons, les routes ça c'est bon, le stockage c'est bon. Ah oui, il faut que je vous dise, j'ai fait une partie en parallèle sur Colonial Charter pour aller un peu plus loin. Je suis allé jusqu'à près de 300 d'ailleurs, c'était pas tout à fait facile, j'ai fait plein de bêtises, mais au moins je pense que certaines je les referai pas avec vous maintenant. Je suis un tout petit peu plus au fait, il faudra que j'oublie pas de construire un puits, parce que s'il y a un incendie ça va être sympathique. On va commencer, on va faire quoi? Un petit puits. Voilà, on est décoré, ils le feront quand ils auront le temps. D'ailleurs, là j'ai seulement un travailleur et deux bâtisseurs. Il y a 8 enfants, 19 adultes, ok. Bon, l'église ça va me coûter trop de ressources, le cimetière pas pour l'instant. Ça va le moral, ça va encore, la santé aussi. Herboristerie, ça je pourrais faire quand même. Ouais, quoique j'aurais pas grand monde à mettre dedans. Hein. On va attendre. On va accélérer, on va aller à x5. La bouffe, ça continue à monter, c'est pas mal. Il y aura les récoltes après. Donc ça joue avec mes 4 cueilleurs et mes 3 chasseurs. Là, pour la population G, c'est amplement suffisant à mon avis. Ce qu'il me faut, voilà, des travailleurs en plus. Il y a des enfants qui sont devenus adultes. Je vous le rappelle, c'est à partir de 10 ans que ça bosse ici. Et puis une chose que j'ai remarqué, c'est plus on fait de maisons, plus on a en fait de couples qui pourront s'installer et plus vite on aura des enfants. Donc il n'y a pas de négligé non plus. Si je m'en fais déjà deux. Parce que si on regarde là, ouais, ils sont déjà assez vieux. Là, elle a 10 ans, elle pourrait déjà se marier puis faire des enfants. Là, il y en a qui ont 15 ans. Donc ça me fait augmenter ma population normalement assez rapidement. Là j'en ai fait en bois parce qu'en pierre, oui j'ai de la pierre remarquée. Le fait de les faire en pierre, ça rend les maisons un peu moins, ou plutôt un peu plus économes en bois de chauffage. Il y a tellement de choses à faire après, ce qui est sympa c'est de produire des ressources de luxe, mais alors ça demande toute une infrastructure et là j'en suis bien bien loin pour l'instant. Je vais peut-être même dire d'aller en priorité pour les maisons. Là, il y a seulement 5 enfants qui sont dans le pipeline, si j'ose dire. Non, il faut des maisons, là, parce que sinon, ils vont pas faire d'enfants. Tac, ça, c'est les maisons. Il me faut du fer, il me faut pas mal de choses, mais c'est des jolies maisons, j'aime bien. Allez, c'est peut-être un peu exagéré pour le moment du jeu, là. J'aurais peut-être dû la faire en pierre. Ouais, bon, tant pis. Ok, alors, tout ce petit monde construit, alors qu'est-ce qui se passe, là? Là, il a pas de quoi faire des manteaux au cuir, parce qu'il n'y a pas de cuir. Si, il y en a là. Donc, il faut simplement que les gens aient... Enfin, les gens... magasinier, non, comment on fait pour... c'est les travailleurs qui font ce taf. Bon voilà, ils en ont amené. En tout cas, ils s'en plaignent plus. Ils s'en plaignent toujours. Je sais pas pourquoi, là, le cuir, ça met un peu de temps pour arriver.
Parce qu'il y en avait. Je sais pas où. Ça peut pas être stocké ailleurs. Normalement, ça leur sert à rien. Ils en ont pas dans les maisons. Mais c'est comme si il y en avait 6 de cuir. Il est plus là donc. Bon voilà. Il est réapparu ici. Donc ça se tient. Bref. L'herboristerie, c'est par où que je l'avais construit. C'est toujours difficile à repérer quand on construit dans la forêt. Les zones de construction sont pas super évidentes à voir. Bon, ici, il faudrait qu'il me dégage un petit peu tout ça. On va se permettre d'aller un peu plus vite. Hein. La nourriture, ça va, le chauffage, ça va. Ouh, j'ai bientôt plus d'outils, moi. Il va falloir un forgeron. Il me faut un forgeron, même. Ah, ça, j'avais pas vu. Bêtise. Production de bois, non, c'est ici. Forgeron, forgeron. Forge artisanat, voilà. Où est-ce que je vais le mettre? Par ici. Pourquoi pas. Ok, on va mettre deux bâtisseurs en plus. Et la priorité, je vais la mettre en fait sur la forge. Voilà. x10. Alors normalement on devrait voir progresser. Là il faut d'abord qu'il défriche. J'avais pas vu qu'il y avait deux petits arbres qui étaient sur le coin là. Ah vous voyez il y a les petites icônes qui apparaissent là avec les pioches. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'outils. Et ça c'est mal. Ça va les faire moins bien récolter, moins bien travailler. Allez hop on nettoie tout ça. On se dépêche. Niveau ressources d'une manière générale ça va pas trop mal. Là, j'ai pas grand chose d'autre à faire qu'à attendre, hein, parce que si j'ai pas réglé ce problème de forgeron. En plus de ça, j'ai deux maisons là qui doivent être construites, mais comme j'ai mis ma priorité ici, bah ils peuvent pas tout faire en même temps. Donc maintenant que ça a été défriché, là il y a 3 sur 3 qui ont été détruits, bah ils déposent toutes les petites ressources. On commence notre troisième hiver, ou plutôt on a la fin de l'automne, l'hiver arrive, ou l'hiver vient, si vous préférez. Ok, là ça avance bien. Il faudra du fer. Fer, j'en ai 130. C'est la pierre, j'en ai plus beaucoup. Ici, là, il y a pas mal de ressources à prendre. Peut-être que j'enlèverai un bâtisseur une fois que c'est terminé. Ah, ils sont plusieurs à avoir besoin d'outils là. Hein. Allez, maniez-vous. Hop, on se grouille. Des manteaux, j'en ai. C'est aussi important pour l'hiver. Peut-être que je devrais faire un chasseur en plus. Ouais, mais si je fais un chasseur en plus, j'aurais. Ouais, il faut que j'aie. Enfin, je manque de main-d'œuvre là. Pour en avoir plus, il faudra des enfants. Ah, il y en a quand même qui sont nés. 22 adultes. Ça croît, ça croît. Je vais profiter pour faire des petites routes. Voilà. Là derrière. Développer le village. Les maisons se construisent. On va laisser comme ça. Parfait. Allez, la forge. Il faut que je garde du monde pour. J'enlève un bâtisseur. 95%. On y est presque. Là-bas, les maisons aussi. Voilà. Alors, hop. Un forgeron en plus. Maintenant, là, il va bientôt construire des outils, donc il a juste besoin de bois brut et de fer. Donc ça va lui être amené depuis mes réserves qui sont ici. Et c'est les travailleurs qui font ça, normalement. Je vais peut-être enlever un bâtisseur, un peu plus de travailleurs pour qu'ils prennent plus de ressources. Là, je commence à manquer de pierre. Hop là, direct. 21 ans, 13 ans, c'est parti. 19 ans, 12 ans, on y va. Faites-nous des enfants. Ça, c'est mon bûcheron pour faire du bois de chauffage. On est bien au niveau chauffage. Le printemps commence. La nourriture, ça va aussi. Je vais peut-être faire, en fait, un chasseur. Parce que j'aurais besoin pour les manteaux après. Ça a été un problème dans mon autre partie. Donc, les chasseurs, ça, c'est la nourriture de base. Alors, que je regarde un petit peu. Je pense que là, je vais faire des champs par là-bas en bas. Peut-être que là on va laisser la zone vierge, je ne sais pas. Ah ça fait loin. Hein. Ouais,
Non, peut-être que je vais mettre ici, tant pis. Ouais, j'avais dit que je défrichais dans ce coin en fait. Puis là, ça fait une zone. Ouais, bof. Je verrai plus tard pour le chasseur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, l'herboriste. On va juste en mettre un. Trois travailleurs de bâtisseurs, ça va. Alors, est-ce qu'il nous a construit des outils? Oui, il a commencé à construire des outils, il les distribue. Il y en a plus que trois qui en ont besoin. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Parfait. Ok, là, c'est en train d'être défriché dans le coin. Les maisons, je crois que ça va. Ah oui, du miel, ça peut être pas mal aussi. Un rucher. Allez, on va les mettre à côté des champs. On a juste qu'il déblaye un peu. Parfait. Ça roule. Ça me fera un peu de nourriture. Ici, les pêcheurs, ils sont au taquet. Ah oui, une autre chose, faut que je réfléchisse à où est le fleuve. Ouais, il va falloir que je me développe par là. Effectivement, on va aussi bien défricher toute cette zone-là. Voilà. Voilà. Continuer. Dans le coin, ici, je pourrais construire un port. Enfin, un comptoir de commerce, en tout cas. Alors, 25 adultes, 9 enfants. Ça va. Là, j'ai toujours une maison qui doit être construite. Parfait. Voilà, bah, ils ont déjà fait des enfants. Ils ont pas perdu de temps. Excellent. Ouais, je manque quand même de cuir. Ah, peut-être que je pourrais faire ici un chasseur, en fait. Parce que je me suis aussi fait avoir assez rapidement avec la croissance démographique en me disant, ouais, là, c'est bon, j'ai assez de nourriture. Eh ben, c'est vite parti, hein. C'est très, très vite parti. Ok. Ici, ça, pas encore construit. Cabane de bûcheron. Ah oui, parce qu'il faut que je mette plus de. Pourquoi il dit. Ah, c'est le combustible. On est à 700. Ah, je vais augmenter la limite. Ok. Oh, j'ai ma zone de stockage qui commence à être pleine par là-bas. Parce que j'ai augmenté les limites. Alors forcément, je vais en faire une autre. Zone de stockage. Voilà. On va la faire par là-bas en haut. Comme ça me fera un petit peu moins de trajet pour me développer dans cette zone. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais construire encore peut-être une ou deux maisons en pierre. Une et deux. Ok. Et puis là, ce que je pourrais faire, c'est des champs. Non, je peux pas les commencer depuis là. Donc c'est 10 x 8. Ah bah voilà, c'est l'hiver. On va les laisser travailler pendant l'hiver pour que les champs soient semés au printemps. Il y aura assez de travailleurs normalement. Un peu de sorgho. Ah non, là j'en mets trop. J'en fais quoi? J'en fais un autre ou pas? Non, pour l'instant on va rester comme ça. Ça a déjà emménagé. Moi, je me fie en fait un peu à l'âge de ceux qui emménagent. S'ils sont très vieux, je me dis que finalement j'ai besoin de beaucoup de maisons. Parce que c'est les très vieux, ils mettent, je crois, en priorité les couples les plus vieux, forcément, s'ils habitent dans une autre. S'ils habitent encore avec papa et maman. Ok, ça avance bien. J'ai les indicateurs de santé qui sont au taquet. Je commence à avoir des herbes médicinales. Enfin, oui, c'est ça, oui, herbes médicinales. Pierre, moi je me suis rendu compte dans les différentes parties que j'ai faites que j'avais assez vite besoin d'une carrière aussi. Parce que je défrichais beaucoup et puis. Donc là on va se garder cette zone-là parce que ça produit de la nourriture au niveau de la forêt. Là on va la laisser aussi. On va peut-être faire ouais, une ou deux choses par là dans le coin. On va surtout se développer dans cette zone-là et puis vers le nord. Ici, alors le rucher,
Voilà, en plus ça me fera de la nourriture également pour absorber les nouveaux venus qui vont pas tarder à arriver. Là j'ai 11 enfants, ça croît bien. Babetta est morte après avoir consommé des champignons empoisonnés. Bon, j'ai plus d'herboriste, c'est ça que ça veut dire. Ah mais elle a été remplacée. Ça a été pioché dans mes travailleurs. Ok, la croissance, ça se produit pas encore. Là, on n'a pas défriché non plus. La zone de stockage non plus. Bon, bah, on est toujours en vitesse x10, hein, d'ailleurs. C'est bien possible que j'avance des fois dans la série, peut-être une demi-heure comme ça de jeu, histoire d'avancer s'il y a un objectif à atteindre et puis qu'il se passe pas grand-chose. Parce que là, c'est vrai que... Voilà, j'ai plusieurs constructions qui sont en attente. J'ai pas envie d'aller trop vite non plus. J'ai pas encore assez l'habitude. Quoique là, je pourrais me mettre en vitesse x5. Mais il faut aussi se laisser un certain temps. Il y a une inertie. C'est vrai qu'on se rend compte des fois 2, 3, 4 saisons plus tard d'une erreur qu'on a fait. D'un mauvais rééquilibrage qu'on a mis parmi les métiers. Et ouais, il faut faire gaffe. Mais là... Si je regarde, une chose qui est très utile, c'est l'hôtel de ville qui nous fournit des statistiques qui permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais je vais avoir besoin de pas mal de pierres pour construire des maisons, etc. C'est pour ça que moi je vous dis, on va se faire dans pas très très longtemps une carrière. Il y a des bâtiments pas mal qu'on peut améliorer d'ailleurs. Bah, ça serait bien qu'ils me défrichent un peu cet endroit là. Simplement, j'ai 3 travailleurs pour 2 bâtisseurs. Allez, toujours pas. Est-ce que d'ailleurs le chasseur a été construit? Non, même pas. Il n'y a rien qui a été amené. Non, on va aller plus vite, hein, décidément. Alors, visiter un petit peu le sorgho. Voilà, là, il se passe plus rien. Allez, on s'active. Hein. Oh, j'ai des réserves pleines de ressources là. Voilà, ça commence à croître. Nourriture, toujours nickel. Fosse de sillage, ouais, ça produit des troncs pour faire ensuite des meubles. Mais j'en ai. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Hein. Voilà ce qu'il me faut. Je crois que j'ai commencé à construire la carrière. Où est-ce que je pourrais la mettre? Je pourrais la construire par là. Ouais. Allez. Route. Puis on va demander d'accélérer tout ça. Alors non. Pour dire la priorité, c'est là. Et puis défricher. Là, ça sera le pôle, on va dire, un peu plus industriel. On va mettre quelques plantations par là. Puis je ferai des maisons un petit peu par là autour. Ce qu'il faut observer aussi, c'est où passent les paysans. Parfois, si on voit qu'ils traversent beaucoup à un endroit, bah, ça vaut la peine de faire une route. Hein. Ok. Là, la nourriture continue à augmenter. Les outils, c'est réglé. Pas mal. Ok, là j'ai 7 travailleurs, il y a pas mal dans... Voilà, cool, 29 adultes, 12 enfants. Il y a des travailleurs en plus. D'ailleurs on voit, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, il y a plus de monde. Ça se défriche plus vite. Voilà, une zone de stockage toute fraîche qui est construite. On est en train... Enfin, on est en train... Mes petits villageois sont en train de se défricher la carrière. Ok, excellent. Dans pas trop longtemps, il faudra que je pense à faire une école. Ça retarde la venue de nouveaux travailleurs, mais après, ils seront éduqués et ils seront d'autant plus efficaces. Alors, on arrive à l'automne. On est bien au niveau de toutes les réserves. À toujours vérifier. Ouh là, stop! Incendie. Alors, quand c'est comme ça... Là, on va même mettre les fermiers tous en travailleurs et ils vont tous venir pour essayer d'éteindre cette histoire-là. Heureusement que j'ai fait un puits. Enfin, il est fait d'ailleurs. Oui. Il est juste à côté. Bon, est-ce que ça suffit? Oh,
Voilà. Bon, il y en a qui a plus de maison. Bah, on va dire de reconstruire. On va remettre les gens à la ferme de bâtisseurs. Et puis, on va construire maison en pierre. On va en faire deux. Une et deux. Il y en a une qui vient d'être construite, il y en a, voilà, ça en fait comme ça, 4 en construction, enfin 3 plus une. Du Sorco, lui, il n'y a personne qui bosse là. Ok, maintenant il y en a 4 qui ont besoin d'une maison. Ok, on va même aller en x10 maintenant. Ok, très bien. Alors ici, ça produit du miel. Ouais, du miel et de la cire d'abeille. Ça, c'est pas mal pour vendre aussi la cire d'abeille. Hein. Dans mon autre partie, ça m'a été très utile. Mais je vais pas pouvoir vendre si j'ai pas fait de comptoir commercial. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas que j'aurai beaucoup de choses à vendre. Alors voilà. Ok, là, c'est bien. J'ai plein de pierres qui va pouvoir être stockées. Peut-être mettre un peu plus de monde dans les bâtisseurs. Parce que c'est l'hiver et puis j'ai des gens qui sont dehors, hein, ils risquent même de mourir. Serait pas mal qu'ils construisent ces maisons vite. C'est le début de l'hiver. Il y en a 4 dehors. Allez, hop, 44% ici. 26% là. La maison de bois, bon bah voilà. C'est en train d'être fait. Mis à part ça, ça roule pas mal du tout. Et puis là, 49%. On va mettre un plus pour les bâtisseurs. Alors ça va me demander pas mal de main-d'œuvre, hein. Au début, je vais pas pouvoir en mettre beaucoup, beaucoup. Mais ça me fera ensuite un revenu régulier, enfin un revenu des ressources régulières en pierre, et ça c'est important. Là j'ai plusieurs maisons qui se construisent, donc d'ici 2-3, enfin pas, un peu plus, parce que c'est pas une année pour une année là, je mets d'ici 4-5 ans, j'aurai pas mal de gens en plus. Alors, hop. Ouais, ils sont pas morts, l'hiver est fini, ils sont restés dehors, résistants. Ok, pour la route. La mine, est-ce que je lance déjà? Oui, allez, moi je vais lancer déjà. Les ressources, mine. Voilà. Non, on tourne comme ça. Non, non, oui, voilà. Hop, comme ça, on saura où elle est. Je vais en mettre deux. Pour commencer, ça me laisse deux travailleurs. Un bâtisseur au moins, voilà. Un enfant vient de naître. Il y a des maisons. Ah là, là, il faut que je mette. On va mettre des betteraves pour changer un peu. Un fermier en plus. La nourriture, ça va. Bon, toujours un peu problématique ici. Avec le cuir. Ah, mais d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais dit de construire un chasseur ici. Ils ont défriché. C'est en train de se faire. Allez, on n'est pas pressé. On va laisser ça comme ça. Là, il y a la mine qui va se faire. Nickel. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va essayer de faire des trucs de 25 minutes. Au début, là, on va tout laisser en live, histoire de lancer la partie. Et puis, très probablement que je ferai des formats tout petit peu plus coupés et abrégés, histoire de vous montrer des choses un peu plus intéressantes. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits blancs. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur Banished. À très bientôt. Ciao!